Salut les gars, j'ai changé de verlet. Je teste le chat parce que tantôt il y avait des gens qui m'ont parlé et en fait ça ne paraissait pas dans mon chat. Donc là, faisais un petit test. Nous allons commencer de suite. De France. C'est un plaisir de vous accueillir sur le circuit Paul Ricard dans le sud de la France au moment où débutent les premiers essais libres. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limites de piste dont les pilotes abusent parfois. Peut-être trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route par exemple. Qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end? Honnêtement, je serais déçu. Si la direction course doit sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elle le fasse. Les pilotes de course sont payés pour couper les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires, ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. N'hésite pas à essayer nos programmes d'entraînement dès que tu en auras l'occasion. Tu ne dois pas tous les lancer sur une même séance, mais on peut récupérer pas mal de données sur la stratégie de course et le développement de la voiture. On a déjà commencé à m'énerver, ça. La piste est plutôt vide, on a beaucoup d'espace.
remarque à propos des pneus. N'oublie pas qu'il faut restituer les deux trains les plus usés à la fin de la séance. Tu ne pourras plus t'en servir, alors essaie de ne pas abîmer des gommes que tu souhaiterais utiliser plus tard. Bon ben. Oh putain, ça va être la merde, mais grave ici. Putain.
L'enfoiré, celui-là, tu sais. Pensez quoi de l'overlay là? Oh là 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 là, j'ai horreur quand il me fait ça, ce couillon là. Passe. Thank you.
Virage coupé. Couillon, va. Il avait dit qu'il allait emmerder le monde. Oh là là.
Jusqu'ici, notre meilleur tour est de 1,51,0. Balle barrée, hein. Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Hamilton, Bottas et Max Verstappen. Les chronos des essais s'affichent, mais c'est seulement dimanche que seront attribués les points. Alors rendez-vous très vite pour la suite de ce week-end. On va aller doucement, Laura. On va visiter la France.
Joli coup, tu es passé cinquième. On descend juste à la fin. Encore loin, mais ça va s'améliorer. La piste est blindée.
récupérer des infos utiles pour les équipes sur le circuit de l'usine. Oh là 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 là. Bon, ben on va en rester là pour cette séance. C'est potable.
avons assisté à une séance intéressante, les trois meilleurs chronos sont les suivants. Hamilton, Ricciardo et le rookie. C'est ainsi que s'achèvent les essais libres. Espérons que ce week-end nous réserve encore bien des surprises. Chaud, chaud, hein. Non, connard. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant.
prochain tour. N'oublie pas qu'on dispose de plusieurs programmes d'entraînement. Ils peuvent se révéler utiles pour l'équipe. C'est la seule séance qui nous reste, alors autant en profiter sans tarder. Les pilotes ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3. Le rookie. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Vous avez passé beaucoup de temps sur la piste pendant les essais. Votre voiture est-elle assez fiable pour tenir le choc? Vous avez signé le meilleur chrono des essais. Est-ce qu'on va assister à des temps comparables? Bien, ce sera tout, merci. Salut mec! Tu vas bien? Avant que ne soit donné le signal de départ et que ne débute la lutte pour la pole position. Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Thank you.
Est-ce que tu m'entends bien? Ça va très bien, et toi, mec? Oui, pole position en France. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Il reste plus qu'à pas faire la même erreur qu'au Canada tantôt. Des points championnat parce que je suis en train d'être largué. Franchement, j'utilise jamais le micro, mec. Ici, je peux pas regarder, il me semble. Je regardais. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Ah, c'est même pas ici qu'on peut chipoter, en fait. Ça va et toi, bien? Bienvenue sur le circuit. Ça ira mieux si je finis premier ici. Renault joue à domicile, tout comme d'ailleurs un certain nombre de pilotes sur la grille de départ. Sur les 14 courses recensées depuis 1990, 5 ont été remportées par un Français, dont 4 pour le seul Alain Prost. On est en droit de se demander qui ajoutera un nouveau triomphe à son palmarès aujourd'hui. 6 virages à gauche et 9 à droite, soit 15 virages en tout, pour ce circuit Paul Ricard, long de 5,8 km. La vitesse moyenne se situe autour des 230 km/h, avec un pic sur la ligne droite du Mistral, avoisinant les 330 km/h. Nicolas Martin sur PC, mec. Pour la course aujourd'hui. Bon, parlons rapidement de Brendan Hartley. La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc. Avec aucune aide au pilotage à part l'antipatinage. Ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ.
Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Le rookie part en pole position, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste, merci beaucoup, mec. Raikkonen, Ricciardo, Lewis Hamilton et Bottas, Verstappen, Hülkenberg, Ocon et Sergio Pérez, Leclerc, Grosjean, Fernando Alonso et Magnussen, Van Dorn, Gasly, Marcus Ericsson et Lance Stroll, Sainz et Brendan Hartley complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Merci beaucoup. Il m'en faudra, je crois. Ouais, j'ai la PS4, enfin les enfants ont la PS4. J'essaierai peut-être d'acheter le 19 sur PlayStation 4. Non, j'ai pas. PlayStation 4, c'est aux enfants, donc ils n'ont pas de jeu de voiture.
Ah non! Ah, si jamais je le trouve, je le prendrai, mec. Je l'achète et je le teste. Désolé mec, je sais pas lire parce que j'essaye de lire sur le chat. Je fais une erreur.
Merci, c'est gentil.
Et une victoire en France! Ah la classe, ça fait plaisir. Après ma bourre du Canada. Remarquable performance de Williams qui décroche aujourd'hui une victoire exceptionnelle. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. J'aperçois à présent les pilotes approchés de ce podium qui va récompenser la performance de toute une équipe aujourd'hui. Bravo à Williams pour le travail accompli et pour cette magnifique victoire. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Sébastien Vettel qui s'envole au classement. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Pour moi, Carlos Sainz a été le meilleur pilote. C'est probablement l'une de ses meilleures prestations de la saison. Il m'a impressionné. Jetons à présent un œil au classement des constructeurs. Ferrari renforce sa position de leader au championnat. C'est une belle opération de la part de Force India qui réussit à bousculer la hiérarchie. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. On a repris des points au championnat, ça fait plaisir ça. À un point de la troisième place. Beau travail aujourd'hui. Vous pensez que c'est un bon résultat? Comment vous sentez-vous après cette victoire? Êtes-vous satisfait du résultat aujourd'hui? On dirait qu'il y a du mieux par rapport au précédent week-end. Vous déjouez les pronostics. Pensez-vous avoir été sous-estimé? Bien, ce sera tout, merci.
au travail? Voilà le genre de résultat qui m'intéresse. Continuez comme ça. Mais si je veux pas faire mon contrat maintenant, pas me gonfler, purée de. Il est temps de renégocier votre contrat. Vos conditions actuelles sont affichées ici. Lors des négociations, l'équipe vous fait une offre. Vous êtes libre de l'accepter, mais n'oubliez pas que votre but est d'obtenir de meilleures conditions. Notre offre a été acceptée. Le nouveau contrat entre en vigueur dès le prochain week-end de course. Bon, week-end suivant, je vais couper le live. Je vous dis à tout de suite, les gars. Comme ça, je sépare les grands prix pour les vidéos.